Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Notre pays est actuellement touché par cette tempête Louis. Louis qui nous amène des rafales de vent assez importantes avec donc cette dépression qui s'est vraiment creusée sur la Manche et qui nous envoie des pluies, du vent, des rafales pouvant aller jusqu'à 110 km/h. D'ailleurs, l'IRM a placé notre pays sous vigilance orange pour le nord ainsi que la moitié ouest. Pour le sud, vous resterez sous vigilance jaune. Cette vigilance sera d'actualité jusqu'à 2h du matin, mais déjà à partir de 21h, ça se calme gentiment et l'ensemble du territoire sera sous vigilance jaune. Donc des rafales assez importantes jusqu'à 110 km/h dans le courant de la soirée et 115 du côté du littoral. Et tout ça accompagné d'averses qui seront discontinues. Coup de tonnerre aussi possible encore principalement sur la moitié nord-ouest du territoire. Et puis tout doucement, après minuit, ça c'est la bonne nouvelle, ça se calme, la perturbation quitte notre territoire et elle prend la direction des Pays-Bas. Nous allons avoir encore des giboulées sur les hauteurs mais également du côté du littoral. Et puis je vous le disais, vraiment dans la deuxième partie de nuit, la bonne nouvelle c'est que les rafales atteindront les 60-70 km/h. Pour les minima, 4 degrés pour la capitale et sur le nord du territoire. Demain matin, toujours ce régime de giboulées sur le littoral et également sur les hauteurs. Partout ailleurs, on aura un temps nuageux et généralement sec. Le vent, il est encore bien présent, des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h, mais rien de comparable avec cette fin de journée. Puis ces giboulées vont se généraliser à l'ensemble du territoire. Parfois, on aura même de très belles éclaircies, principalement en fin de journée. Puis vous pensez peut-être à mettre une petite couche supplémentaire, puisqu'on passe en dessous de la barre des 10 degrés, 9 pour la capitale ou encore pour la région de Mons. On poursuit avec ce week-end un risque d'averse en matinée, risque d'averse intense et tout ça accompagné de grésil, de coups de tonnerre et puis l'intensité de ces averses vont se renforcer dans le courant de l'après-midi. De 4 à 7 degrés pour samedi, de 3 à 8 pour dimanche avec un temps sec en matinée. Malheureusement, ça ne va pas durer puisque nous allons avoir à nouveau un temps pluvieux l'après-midi. Pour la journée de lundi, des nuages, de la pluie, 5 à 7 degrés. Mardi sera normalement la plus belle journée de la semaine avec de 3 à 7 degrés, un temps sec et ça c'est bien. Ensuite, on poursuit avec la journée de mercredi, un risque de faible précipitation. C'est vraiment une nébulosité qui va augmenter au fil des heures de 4 à 8 degrés. Et pour jeudi prochain, de 7 à 11, avec d'abord un petit espoir de larges éclaircies. Mais là non plus, ça ne va malheureusement pas durer avec le retour de la pluie et un ciel couvert depuis le littoral. Vous voilà prévenus. On est en train de vivre les heures les plus compliquées de la semaine et puis ensuite, on va tout de même aller vers une petite amélioration. Demain, nous sommes le vendredi 23 février. On fête les Lazars. Le soleil se lèvera à 7h40 et voici votre citation. Bien souvent, les gens vous envient parce qu'ils ignorent les réalités que vous affrontez en silence. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur RTL TVI. Dans quelques instants, votre magazine Tout s'explique et puis ensuite un film d'espionnage qui s'intitule 355. À très bientôt, je vous retrouve ce week-end.